Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Vous le savez, tous les vendredis, c'est ouvert. Notre porte est ouverte au public et vous les entendez bien, ces étudiants de l'ESSEC qui sont venus nous voir avec d'autres personnes, naturellement. Est-ce qu'on peut leur dire bonsoir? Nous, on est gentils. On reçoit tous les vendredis. Vous venez avant 16h30 et vous êtes admis. Vous pouvez entrer, participer à l'émission. Et on est heureux d'avoir du monde encore une fois ce soir. Merci d'être là. On va tout de suite vous dire bonsoir parce que vous savez, c'est pas tous les soirs qui sont bons. Donc on va tout faire pour que votre soir soit le meilleur des soirs, que votre début de soirée soit exceptionnel parce qu'on sait que toute la journée, c'est pas toujours évident. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission C'est comment. Quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là. Et elle est bien là, notre chère Pani. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce. Plus que 18 jours avant la fin de l'année, nous sommes en plein dans le 347e jour et bien sûr dans la 50e semaine de cette année 2019. L'amour, c'est être toujours inquiet pour l'autre. Prenez soin des vôtres parce que la vie est précieuse, les êtres aussi. Et bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici. On est là. Ouais, et on a Calagan qui ne lâche pas son téléphone. Non, j'étais en train de vérifier, c'était les dernières. Alors, tu peux mettre ton micro comme il faut pour qu'on t'écoute. Même si le micro n'est pas comme il faut, j'ai la voix normalement. Ah bon? Ma voix porte. J'ai pas une voix dans la dentelle. Ouh. Pendant que je parle, je suis sûr de ce que je dis. C'est ça. Voilà pourquoi Genga Ntunda Aminga, c'est parti. Sa fille, c'est parti là. Donc, c'est un proverbe pour nous? Non, j'ai un proverbe. Je vais d'abord avoir l'amabilité de saluer tous ceux qui me regardent dans tout le monde entier. Oui. Et continuer simplement à vous dire que l'important est de ne jamais désespérer. Oh, voilà. Il faut jamais désespérer dans la vie. Jamais. Tant que minuit n'a pas sonné, ne dis pas que tu as dormi sans rien manger. Oui, voilà. C'est vrai. C'est clair. Voilà pourquoi il y a un proverbe de chez nous qui dit que... Amour dit à moi, oui, m'doula. Moi, n'est que là. Là, c'est toute une histoire en fait. C'est simple à comprendre. Si tu veux de l'aide, avec ta charge, virgule. Il faut que ta charge arrive au moins au niveau que tu soulèves, que ça arrive au moins au niveau du genou ou des cuisses. Point. Là maintenant, quelqu'un vient t'aider. Sur la tête. Non, et là, point final. En fait, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Parce que le message. C'est quoi ces essais de micro qui. Aide-toi. On écoute là. C'est le problème. Ah, ça, c'est un samedi spécial. Qu'est-ce qui se passe? C'est un vendredi. Laisse-moi avec les samedis comme ça. Le gombo, plus. Ton cœur fait seulement comme ça. Parce qu'on dit, vous êtes à quel niveau, monsieur? Oui. Oh là là. J'étais en train de dire simplement que. Si, quand tu as besoin d'aide, ne croise pas les mains en disant on ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas, je ne sais pas comment je vais faire. Essaye d'abord. Quand tu as essayé, si tu veux maintenant de l'aide, on va t'aider, c'est naturellement. Et on va voir que lui, il se bat au moins. Au moins. Il faut au moins maintenant, on peut l'accompagner. Il a fait les premiers pas et maintenant on peut le guider au l'accompagner. Voilà, dans on peut ça. L'accompagner. Voilà. Mais merci. Parfois, tu es en train de faire les nouveautés comme tu es en train de travailler là. Oui. Parfois, tu appelles même un président. Président, c'est un peu chaud dans la production, c'est comme ça. Il fait comme s'il a mal à l'oreille. Oui. Donc, j'ai un peu voyagé là. Mais quand l'effort va commencer à revenir maintenant, jusqu'à il va avoir 2, 3, 4 épisodes, c'est lui maintenant qui va t'appeler. Exactement. Mais non, tu sais, je t'ai occupé. Ce que tu fais, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant, c'est vrai. Au bureau, ben voilà. Oh, c'est bien si ça. C'est propre. Mais merci pour la leçon, Calagan. Calagan. Ça nous permet de dire bonsoir à Joe, le Matrix. Bonsoir, Joe. Hey. Mais vous voyez, non, c'est sympa. J'ai mon visage sur mon t-shirt. Et moi aussi, j'ai mon visage sur mon t-shirt. On a tous nos visages sur les shirts. Mais la manière qu'on a fait, on sent que je suis le plus beau. Oh là là, c'est pas possible. Colin, enlève un peu la barre là pour qu'on voie bien les dessins, tu vois. Voilà. Et chacun nous dira sur notre page Facebook lequel a le meilleur. En tout cas, voyons. Non, là, c'était Joyce. C'est sur les cailloux. Il avait quoi dans la bouche? Et puis... C'est les chips que Joe avait dans la bouche. Et puis là... Voilà. Donc, envoyez-nous les messages. On va faire des coucous à Alex Noutan, parce que c'est lui qui nous a fait le cadeau de Noël.
un super cadeau de Noël. C'est ADN Personalis, non, c'est sa marque. ADN Personalis sur Facebook et sur Instagram, Alex Mouton-ADN Personalis. On a oublié pour beaucoup de personnes, mais bon. Hélas, ça sera la prochaine fois. Ça sera la prochaine fois. Mais l'essentiel, d'abord, c'est pour nous qui sommes sur le plateau. Didier Eto'o, tu es là? Didier Eto'o! Je tiens à préciser qu'on est en compagnie des étudiants de l'ESSEC de Douala. La CEPAD, c'est la semaine de parrainage académique de l'ESSEC qui va se dérouler du 15 au 20 décembre. C'est pour ça qu'ils sont venus nous rendre visite ce soir. Avant que le 15 n'arrive, ce que nous on va faire, c'est de vous dire quand même qu'on a des choses ce soir. En commençant par le thème de ce soir, il est très simple. Mesdames, seriez-vous prêtes? Ah oui, hier on parlait aux messieurs, maintenant c'est aux dames. Aux dames. Seriez-vous prêtes d'épouser, alors il y a une petite erreur, hein, c'est d'épouser un homme que vous n'aimez pas sous le prétexte que vous prenez de l'âge. Est-ce que parce que vous prenez de l'âge, vous allez donc épouser un homme que vous n'aimez pas? La même question est envoyée chez les hommes, non? Non, c'est pour les dames ce soir, quand même. Okay. Ça va. Alors, Réalo, corrigez un peu l'erreur, hein, s'il vous plaît. Hein, voilà, il faut corriger l'erreur. On ne va pas voir les erreurs là-bas. Alors, mesdames, seriez-vous prêtes d'épouser un homme que vous n'aimez pas sous le prétexte que vous prenez de l'âge. Allez sur notre page Facebook, hein, si jamais vous avez une réponse. N'oubliez pas qu'on est même en direct tous les soirs, donc sur la page Canal 2 International. Donc vous pouvez également faire des commentaires. Désormais, Dexter va en prendre compte. Il viendra dans tous les cas ici tout à l'heure pour discuter avec nous. Chlorel n'est pas là ce soir, mais il a fait un petit boulot pour nous. Donc on aura les avis également de nos personnes ressources. Ce soir, on aura les yeux de Pani. Oui. Le look du week-end de Mireille. Oui. Bon, j'ai pas vu Lisa, donc pas de People Post ce soir. Oh. Mais on pourra avoir l'humeur de Joe. Ouais. J'adore ce public. Alors, ça nous permet de nous arrêter tout de suite sur l'actu de ce soir. Alors, l'actu de ce soir, on va démarrer avec Ulrich Takam, qui était notre invité hier. Oui. Et je vous dis pas, depuis ce matin, nous avons posté une vidéo qui devient virale. Elle est déjà, je ne sais plus à combien de vues. C'était juste des petites confidences du couple. Hein. Donc, si jamais vous voulez en savoir davantage, allez sur la page de C'est comment, vous verrez cette vidéo. Ulrich Takam, donc, s'il était ici hier avec Joyce, c'était pour sa première fois. Hein, c'est ça le titre de son spectacle donc de ce soir au Castel Hall. Attention, c'est la première fois au Castel Hall, lui en tête d'affiche. Et ça va être un grand moment pour lui, mais pour tous ses fans et pour tout le monde. On est vraiment ravis pour lui parce qu'on sait d'où il est parti. Et exactement. Quand on voit là où il est aujourd'hui, sincèrement, bravo. Donc allez ce soir, non seulement encourager, mais bien rigoler avec Ulrich Takam et toute sa bande. Et puis Africa Talent Awards à Abidjan, ce sera le 14, c'est demain. Donc vous avez un dernier jour, c'est aujourd'hui pour voter les Camerounais qui sont nommés. Ils sont nombreux, ils sont une bonne, un peu plus d'une dizaine, un peu plus d'une dizaine. Les votes donc sont lancés depuis déjà des semaines. Ça va se terminer certainement aujourd'hui à minuit. Donc allez-y, il y a des artistes, il y a des entrepreneurs nommés, il y a des œuvres cinématographiques aussi. Donc allez-y. Et puis le film de Noël Kenmoué, sorti le 28 décembre. Et oui, c'est dans quelques jours, hein, dans deux semaines à peu près, à Douala-Bercy, la sortie. Le titre, c'est 2 avril. Voilà. Mais ce n'est pas le 2 avril que vous allez le voir. Hein. C'est le 28 décembre. C'est le 28. Et un sujet au centre donc de ce film, c'est celui de l'autisme. Elle en parle et elle n'est pas seule pour en parler. Vous verrez qu'il y a pas mal... deux personnes qui en parlent dans ce film. Est-ce qu'on peut voir la bande-annonce? Non, pas du tout. Ok, la prochaine fois.
Et puis, exposition au multimédia de l'artiste Romuald Dikoumé, on vous l'a annoncé hier. Alors lui, ça s'appelle Le Labyrinthe et ce sera à l'espace Doualart à partir de 18h30. C'est aujourd'hui, je pense, hein, c'est aujourd'hui, c'est ce vendredi, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc allez-y, à 18h30 top pile. Anna Mia en spectacle à l'IFC de Douala le 20 décembre prochain. Ah oui, ça se prépare, hein, avec comme parrain Guy-Michel Quinet. Voilà. Ça va être un grand show pour ceux qui aiment le gospel, c'est l'occasion. C'est pas tous les jours hein, qu'on a un spectacle comme celui-là dans une salle. Alors j'aimerais bien dire que l'IFC de Douala fait quand même partie des salles de spectacle assez complètes. Assez complètes, hein, ouais. Pour les spectacles. Le 12 décembre, le Bukaro Lounge a un an de plus. Et pour souffler sur la bougie de plus, Ben Deka sera là, Katino, Copo, Dynasty Lotik, Nasir Skokam, voilà, on est ravis. Hein, pour... Ils ont été là ou bien ils seront là? C'était hier. Le 12, ah, le 12, c'est le 12, c'était hier. Oh là là, c'était hier, on attend les images, c'est vrai, on attend les images. Justement. Oh, ce serait bien d'avoir les images. Dans tous les cas, tout ce qu'on sait, c'est que ça a été un très bel événement. Quand on voit l'affiche, on comprend. Et ça ne s'arrête pas là au Bukaro, puisque tout ce mois jusqu'à la fin du mois, c'est un mois de fête, donc il y aura toujours des rendez-vous. Si vous allez sur la page du Bukaro Lounge, vous aurez toutes les informations, parce que tous les week-ends, il y a des spectacles, et tous les jeudis aussi. Et puis le nouveau Doxy, et enfin là. Voilà. Eh oui. Bambi. Ah, Lisa, c'est le titre. Le genre, quand tu passes, tu touches. Le père et la mère, même le grand-père sont un peu soutenus. Là, c'est pas bien, laisse Lisa. Parce que la maison fait ah. Oh. Maintenant, elle va entrer dans le cylindre en se vantant. Je dis quand même, maman, oui. Ça, il y a des 5 ans, on a vu le Wonderful ici dehors. Le gars était champion ici à Aqua. Bonanjo. Aqua surtout. Pour ce genre de message-là, ça dit que tu vois un gars qui sort à la boulangerie, il donne rendez-vous à une fille chez eux, il demande de venir chez eux. Oh, la maison est derrière. Il négocie avec le voisin, il monte au 9e niveau. Mais c'est pour que des gens comme toi, mauvaise bouche, ne parlent pas. C'est pas normal. Oui, parce que c'est après, comme quand ça. Après, quand la petite antenne arrive, il fait. Si sa maison n'est pas aussi belle que ça, c'est peut-être parce qu'il n'a pas les moyens. C'est la maison de ses parents, il se cache. Mais là, tu es en train de te moquer d'une fille qui sort d'une maison. De chez elle, voilà. Non, parce que. Non, maman, non. La manière d'être. Quand tu sors là-bas, pourquoi la voiture n'est pas venue la chercher là-bas? Parce qu'elle est modéliste. Si la route ne permet pas que la voiture arrive. La voiture, la voiture. On n'a pas vu comment elle marche. Mais elle peut marcher. Ah non, c'est les tapes à l'œil. Elle peut avoir envie de marcher. C'est les filles tapes à l'œil. Non, mais pourquoi? Est-ce qu'elle n'a pas le droit d'être bien habillée? C'est les ninjas. Coup de cœur de cette semaine. C'est le dernier jour pour notre coup de cœur cette semaine. Elle s'appelle Frédéric Autou, la fille de... Merci. Bien des choses à vous. Alors, elle s'appelle Frédéric Autou, je veux que vous reteniez ça, et que le titre c'est Gossip, et c'était notre coup de cœur. Ça nous permet, avant de recevoir notre invité qui n'est pas encore là, et bien de nous arrêter sur le look du week-end qui devait passer un peu quelques temps après. Et c'est notre personal shopper, Mireille Bellissima, qui nous le propose tous les vendredis. Et vous savez que vendredi dernier, on n'a pas eu l'occasion de voir le vendredi du week-end passé. Alors aujourd'hui, spécialement, ce sera le look du week-end passé. D'accord, qu'on voit aujourd'hui. Ça peut aider en tout cas. C'est donc glamour avec une robe fourreau mi-longue. Et je tiens à vous dire qu'elle est sur la place parisienne. Et que si jamais vous vous retrouvez de ce côté-là, ou si vous y êtes déjà, mais c'est l'occasion, si vous ne savez pas comment faire les courses, de la retrouver. On va regarder ce que Mireille on va vous donner son adresse. Salut à toute l'équipe et à mes beautés chéries. Je suis à Paris, la capitale. Voilà. Ça nous permet maintenant de nous arrêter sur le thème de ce soir. Oh, j'aimerais avoir vos réponses. Alors, mesdames, seriez-vous prêtes à d'épouser un homme que vous n'aimez pas, sous le prétexte que vous prenez de l'âge? Et comme Dexter nous a fait faux bond ce soir, on ne sait pas trop pourquoi, on va commencer nous-mêmes à lire les messages qui sont tombés sur notre page Facebook.
Pani, tu peux commencer si tu veux. Oui, on va commencer par Alice Samba, c'est comment ? On est là, Alice. Personnellement, je ne pourrais pas le faire car je suis de ceux qui croient que le destin existe et ce qui est pour toi trouvera toujours le moyen de te parvenir, donc pas de stress. En plus, toutes les femmes ne pourront pas se marier. Bien des choses à cette émission, je l'aime bien, surtout sa présentatrice. Yeah. Ok, merci, merci. C'est moi le présentateur. Doraline l'Africana, c'est comment ? On est là. Et on dit souvent que la petite vient en mangeant, non ? Compreneur comprend. Et bien sûr, s'il a un peu aussi d'un cap. S'il a un peu d'un cap. Ça ne déplairait pas, merci. Bon. Et puis on a Vera Yonta, je ne peux pas. Car pour moi, c'est être une prisonnière à vie. Le mariage n'est pas une fin en soi. Et chacun doit attendre son moment. Et puis on a Sandrine Sayindo, le mariage est une école où la réussite première est l'amour. Si dans un couple, en plus de gérer les humeurs, le train-train quotidien, ce qui n'est pas du tout aisé, il faudrait apprendre à vivre avec un homme âgé à cause du couvre-feu du mariage, moi je pense que cette situation serait une grosse bêtise. Dio ? Alors, Lucrèce Donfac, c'est comment ? On est là, Lucrèce. Non, pour ma part, dire oui pour la vie à un homme n'est pas une chose qu'on devrait faire sur un coup de tête. Il faut bien que j'en sois amoureuse ou alors qu'il ait des qualités qui me poussent à l'épouser. Nancy Eben, c'est comment ? On est là ! Je pense que si on vit en fonction de nos désirs psychologiques ou de la société, on aura tout faux. Donc non, un mariage d'amour a un goût d'un mariage du désespoir. Et un mariage d'amour a un goût qu'un mariage de désespoir n'aura jamais. Jamais. On se marie pour partager son bonheur avec son amour et non pas pour espérer le bonheur. Bon week-end à vous, trop fan de l'émission. Merci. Bon week-end. Dernière, Nina Azadio, c'est comment ? On est là, Nina. D'abord, je ne crois pas du tout. Sinon, où naîtra l'amour étant donné que je ne l'aime pas ? Je dis non, 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 jamais. Jamais. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez affaire au plus grand lecteur ici. Les autres étaient là en train de blaguer. Donc maintenant, voilà la lecture qui commence. Dali Keshabers, c'est comment ? On est là ! Non ! Je ne peux pas pour ce motif-là. Par contre, je peux me marier avec quelqu'un que je n'aime pas, s'il a de belles qualités, parce qu'on se marie pour s'aimer et non parce qu'on s'aime. Ah, voilà. Jenny Choco. C'est comment ? On est là. À ce que je sache, le mariage n'est pas une fin en soi. Du moment où j'ai mes enfants, le reste, je m'en fous. Oh là là. Alors, on a Ivo Marcello Sica. Aujourd'hui, entre 20 et 30 ans, dans les grandes métropoles, les femmes ont beaucoup de pouvoir en termes de rencontres amoureuses. Elles peuvent enchaîner les relations plus ou moins sérieuses. Elles ont le choix. Dès que la phase passion se termine, elles peuvent changer de partenaire. Mais autour de 35 ans, ce rapport s'inverse et le pouvoir dans la relation amoureuse change. Les hommes entre 35 et 40 ont beaucoup plus le choix, mais s'intéressent aux jeunes filles de moins de 30 ans. On se retrouve donc avec des femmes de 35 ans, magnifiques, brillantes, avec de très belles carrières. Elles sont avocates ou médecins, mais rencontrent de grandes difficultés à trouver quelqu'un. C'est le drame de nos urbains aujourd'hui. Ils ne se rencontrent plus. J'ai rencontré des femmes hallucinantes de 35 ans. Je ne comprenais même pas comment elles pouvaient rester célibataires plus de 2 jours. Jean Meyer, dans le Figaro, il est le fondateur de l'application Mobile Petit aux Rencontres. Donc, elle a juste mis ça pour que tout le monde comprenne un peu. Il y a aussi Christy Amfunkeugne qui dit « Excusez-moi d'être hors sujet. J'aimerais avoir le contact de celui qui vous a confectionné les beaux t-shirts que vous avez ce soir. » Ça sera sur la page à ce soir. Hein. ADN Personalize. Il s'appelle ADN Personalize. C'est bien un cadeau pour les filles de fin d'année. Ça peut faire un cadeau, ça. Oui. Victor X, mais ce n'est pas mon ex. C'est comment ? On est là. Mieux je meurs vieille et heureuse que de mourir mariée. Et malheureuse. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que le réalo est arrivé là. Ça nous permet quand même d'avoir pas mal d'informations sur la vie des personnes. Moi, j'aimerais quand même aller un peu sur notre page, la page Canal 2, et voir ce qu'ont dit quelques personnes, en attendant qu'on donne aussi le micro après qu'on ait lancé le sujet encore une fois. Donc, sur notre page, qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Alors, ce qu'ils disent, on a quelques commentaires. Bon, voilà, vous voyez, hein, c'est avec le son, hein, on n'y peut rien. Alors, Cyril Rodrigue Zouzomafo. Ah non, il a dit « Wow, Pani, you are beautiful voilà. ». Oh, thank you. Mieux de toi.
Voilà, mais voilà. Et puis il y a quelqu'un qui est très étonné qu'on soit sur Facebook. Il s'appelle Armel au Calme Live. Oui, Armel, on est désormais aussi en direct sur Facebook tous les soirs. Et puis Cyril Rodic, Zunzo Wafo, c'est lui qui t'a fait un coucou, Pani. Voilà, donc coucou. Vous pouvez faire comme coucou Cyril. La page Canal 2 International pour avoir l'émission en direct. D'ailleurs, il y a plusieurs émissions en direct live sur la page Facebook. Et maintenant, on va passer au post vidéo avant les selfies. Si vous êtes prêts, on y va. Voilà. Et comment on est là? Je vous kiffe depuis Malabo, la Guinée équatoriale. J'aime beaucoup l'émission, c'est comment? Ça me donne la joie au cœur. Je salue tous ceux qui sont en studio, plus précisément toi, Kalagan et Joyce. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne soirée à mon bébé chéri Audrey Monté Yamako, à ma grand-mère maman Marie Yamdje du côté de Bafan et à tous les employés de la société MVM de Malabo. Je vous kiffe, je vous adore. Bisous, bisous à tous. Moi, je suis Audrey Lorraine Tiani Monté. Bye bye. Monté. Irène. Bonne festivité, je m'en descends. On n'a pas bien entendu. On n'a pas suivi là. Et elle était à l'envers là. Mais à quelle manière là? Vous mettez à l'envers. D'accord. Comment on est là? Bonne festivité, je m'en descends. Tout le monde. Juste pour nous dire un petit bisou. Et maintenant, c'est le moment des selfies. Faites les selfies aussi là-bas si vous pouvez. Hein. Voilà, et nous, on va en faire ici. On va aussi en faire avec vous. Voilà, c'est le moment des selfies. Merci à tous ceux qui ont envoyé des selfies. Le son est où? Choisis les thèmes, c'est ce que vivent les gens. À mon sexe, sans percevoir l'argent. Et quand tombe vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le next step. Il y a Fanny et ses cheveux. Le point idyllique dit qu'il nous rend heureux. Les poupées pour 2007, il y a le flow. Et la diva Joyce qui court dans le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Kalagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, voilà, seriez-vous prêtes, mesdames, d'épouser un homme que vous n'aimez pas? Voilà. Sous le prétexte que vous avez de l'âge, vous prenez de l'âge. Voilà, donc on en parle depuis tout à l'heure. On a eu des avis hein, sur notre page. Et on a des personnes avec nous. Ils sont très jeunes. Je ne suis pas sûre qu'ils aient déjà des mariés. Mais on ne sait jamais. Ils vont essayer de se projeter dans le futur. Même la petite qui ramasse la sauce. Oh, je ne suis pas. Alors, ce sont les dames qui doivent parler. Les hommes pourront donner leur avis comme ça en tant que grand frère, en tant que beau-frère, en tant que voilà. Est-ce que surtout sur la vie des femmes, c'est plus important dans ce sujet parce que c'est directement lié à elles. Mm-hmm. Alors, on va faire peut-être un tour de table avant de vous retrouver. Donc, préparez-vous, mesdames, là-bas. Pani.
Tu serais prête, toi ? Serais-je prête à me mettre avec un homme que je n'aime pas sous le prétexte que je prends de l'âge ? Non. Non. C'est sûr. Vaut mieux être seul, heureux qu'à deux et malheureux. Vraiment, à commencer à apprendre à aimer quelqu'un qu'on n'aime pas parce qu'on vieillit. Non, merci. Non, c'est pas possible. C'est même pas négociable. Je savais. C'est pas négociable chez moi. Joe ? Non. Mais moi, je vois Joe me mettre dans quelle posture ? La posture de... Non, Joe, tu dois seulement commenter le sujet. Ou peut-être, est-ce que tu pourrais te mettre avec une femme âgée ? Je n'en sais rien, je sais pas. Non, les hommes, ils n'ont pas souvent ce problème. L'inverse. L'inverse, c'est juste inversé. Ça, ça place, parce qu'on dit que les hommes ne vieillissent pas tant que ça. Voilà, on peut se marier n'importe quand. C'est ce qu'on dit. Après la cinquantaine. Je pense que socialement, il y a un regard qui est porté. Tu conseillerais à une fille, c'est plutôt ça que les hommes. Oui, voilà. Donc, oui, pour tu conseillerais à une fille de le faire ? Bon, de prime abord. Il va développer. Non, de prime abord, non. Parce qu'effectivement, comme Pani, je pense que vaut mieux être malheureux tout seul ou heureux tout seul que malheureux marié. D'accord. Mais bon, maintenant, il y a un regard qu'on porte sur. Il y a un intérêt que la société en général a pour le mariage, oui, les enfants. Oui, mais pourquoi, quand on parle de que... soi, il faut à tout prix gérer ce qui se passe autour. Un mariage, c'est deux personnes. Oui, bon. Tu n'es pas un singleton dans la société. Je veux dire qu'il y a des gens qui vont te dire que non, mais si ton père, ta mère te disent que ouais, sinon si t'es pas marié, est-ce que tu devais être là, les trucs comme ça. Bon, je veux dire que ne serait-ce que pour être dans un certain conformisme, pourquoi pas. C'est-à-dire que si ça te rend pas malheureux à mort. Ah oui, t'as vu, si tu peux supporter, que c'est pas... Même si elle n'aime pas celui qui la convoite. Moi. Oui. Jamais. Ah, d'accord. Jamais. Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas lui donner des conseils pareils parce que, sincèrement, à chaque fois, ça va dégénérer. Et quand on a beau chasser le naturel, ça revient au galop. Il y aura toujours des situations où après, voilà, prise de bête, elle va parfois vouloir se révolter, parfois dit toujours, ouais, c'est tellement chance ça. Oui. Vraiment, dans la vie, il y a mieux que ça. On supporte mieux quand on aime, c'est on ça? On supporte mieux quand on aime. Et il y a mieux que ça, vraiment. Il y a tout ça, c'est ça. Tu peux venir t'emballer dans un stress. Et puis tu peux tomber amoureuse de quelqu'un alors que tu es déjà mariée. C'est ça? Ça, c'est comment on fait? Tomber amoureuse de quelqu'un? Quelqu'un, oui. Ça dit que tu es mariée. Alors que tu es mariée à quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu es mariée à quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais c'est la souffrance. C'est la souffrance, en fait. C'est pas... C'est une corvée, en fait. Voilà. Hein. Ouais. Après, on va être en train de trouver des méthodes. Vous savez, les femmes ont 90 manières. Quand une femme veut créer des ennuis entre vous, entre elle et toi, là, en quelques secondes, elle peut trouver des astuces. Pas possible. Il suffit que tu arrives comme ça. Elle te dit seulement... bonsoir, ça va, tu es arrivé. Oui. Et il suffit que tu... Oh, attends un peu. Oh, elle dit, voilà, tu étais dehors. Et tout voilà. Ça avec autre chose. Maintenant, quand je fais des fâchettes, en tout cas... Ce n'est pas le sujet, car c'est pas le sujet qui n'est pas le sujet de ce soir. Est-ce que tu comprends? Tu es en train de t'étendre sur un sujet qui n'est pas le sujet de ce soir. Par contre, on a posé la question à quelques personnes quand même dans la rue, grâce à Chlorel, qui était sur le terrain, mais qui n'est pas sur ce plateau avec nous. On va regarder tout ça avant de revenir vers vous. Pour moi, je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas. C'est peut-être qu'il prend de l'âge. Parce que pour moi, il n'y a pas l'âge limite pour le mariage. Et si je vois que le temps passe, je fais mes enfants et avec le temps, je peux trouver l'homme de ma vie. Au cas contraire, on n'est pas obligé de se marier. Le mariage, ce n'est pas obligé. Si je ne trouve pas un homme que j'aime, je reste tranquille. Je pourrais l'accepter dans le cas que j'ai pris de l'âge et mes conditions de vie n'acceptent pas que je dois... le repousser par rapport à mon âge qui est avancé. Après, je dois apprendre à l'aimer au fur et à mesure. Jamais. Il faut que je l'aime d'abord. Il faut que mon cœur bat pour lui. Là, je peux l'épouser. Mais si je ne ressens rien pour lui, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas parce que je prends de l'âge. Donc, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter un homme que je n'aime pas. Pas épouser un homme de... parce que j'aime mon âge est avancé. Jamais. Je ne l'épouse pas. Mais que je reste vieille, on rentre chez nous, m'enterrer. Et l'épouse par rapport à quoi? Et c'est l'amour, il faut d'abord aimer quelqu'un avant de l'épouser. Donc parce que j'ai vieilli, que je sois venu, non. Et l'épouse par moi, il t'aime pas. Parce que tu stresses déjà pour l'âge et après tu vas encore stresser pour quelqu'un que tu n'aimes même pas, non. Il faut aimer quelqu'un, franchement. Te mettre avec lui. En étant avec lui dans la maison, je ne serais pas, donc, je serais pas à l'aise. Donc, pour moi, je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas. Je ne peux pas l'épouser parce que je n'ai pas un sentiment envers lui. Parce que je préfère moi vivre seul, au lieu d'être mal accompagné. Je préfère vivre avec la paix du cœur.
au de prendre un homme que je n'aime pas. J'ai vu comment avec lui. C'est impossible. L'âge en train d'avancer, c'est vrai. Mais s'il faudra tenir seulement compte de l'âge, on se retrouvera en train d'épouser quelqu'un qu'on n'a jamais souhaité. Je pourrais le faire dans le cas où je suis. Je me sens vraiment aimée par cet homme. Là où je me sens en paix, parce que je ne prendrai pas le temps de l'âge. Même à 70 ans, on peut y trouver l'homme de sa vie. J'aimerais même aller vers celui qui m'aime et non celui que j'aime. Parce que lorsqu'un homme constate que tu l'aimes vraiment, que tu as mis ton cœur en lui, il te fera des chantages constamment. Donc, il sera très capricieux, il aura des choses à te faire. Moi, je préfère aller vers celui qui m'aime et que je n'aime pas. L'âge avance, pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas, même si je suis pauvre. Le mariage, d'abord, c'est l'amour. Quand il n'y a pas amour, on ne peut pas se supporter. Vous avez eu les avis, les femmes, c'est non, 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 et non, et no way. Comment ça? Oui, doudou-moi. Elles ne supportent pas ça. Et elles sont nerveuses quand elles le disent. Hein. Oh là là, je ne sais pas ce qu'on leur a fait, mais c'est comme si on les avait été non, en mariage forcé quelque part et puis qu'elles étaient échappées. Surtout que de nos jours, il n'y a plus tellement de laideur. Quand on dit qu'on n'aime pas quelqu'un, ça veut dire que la personne là-bas sent mauvais. Oh, oh Calagon, pas toujours. Hein. Parce qu'il y a donc toi, tu aimes toutes les filles qui sentent bon, c'est ça? Il n'y a plus de laideur. Non, j'ai pas dit que j'aime toutes les filles qui sentent bon. Mais néanmoins, si je dis déjà que je n'aime pas... Il y a des femmes qui ont des odeurs, mais qui sont aimées. Hein. Bon, voilà. C'est qu'il y a aussi autre chose cachée. Hein. Voilà, tu es d'accord avec moi alors. Que tu vois là, non, 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 ici, mais c'est toi, Calagan. Je ne supporte pas. Hein. Les goûts et les couleurs, on ne peut pas en discuter. Parmi les trois chats, un alors, ça nous permet de nous tourner vers le public de ce soir. Qui a un micro? Voilà, bonsoir. C'est comment? Onéla! Comment est-ce qu'on t'appelle? Onéla! Moi, c'est Gimbus Raissa Viviane. Gimbus Raissa, alors dis-nous, tu pourrais vraiment épouser quelqu'un que tu n'aimes pas sous prétexte que tu as pris de l'âge? Non, en réalité, je ne peux pas le faire parce que je me dis que chacun est destiné à une personne. Donc, vaudrait mieux attendre. Même étant vieille, on peut épouser quelqu'un qu'on aime. L'amour peut attendre. Oh, super. Voilà. L'amour n'a pas d'âge, au fait. L'amour n'a pas d'âge. Même étant vieille, on peut épouser quelqu'un qu'on aime. Une deuxième personne? Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir. On t'appelle? Patience Michel Wang. Patience Michel Wang. Alors, Wang Michel, dis-nous. Je dirais non. Non, c'est non. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Voilà. Yeah. Il n'y a pas d'âge pour l'amour, même si ça a 5 ans, même si ça a 60 ans. Tu vas trouver l'homme de ta vie. Pas besoin de forcer les choses. Non, c'est clair. On a une troisième personne? Alors, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on t'appelle? Moi, c'est Guam Willage Franck Deschamps. Oui, Franck Deschamps. Guam Willage Franck Deschamps. Ça, c'est bien, ça. Alors, dis-nous ton avis sur le sujet de ce soir et sur ce que les femmes disent parce que... Déjà, je ne peux pas accepter que ma soeur aille en mariage avec un homme qu'elle n'aime pas. Qu'elle n'aime pas. Ça, c'est donc, clair. Même si elle est toute vieille. Oui, oui, même si elle est toute vieille, mieux elle reste à la maison, comme d'autres l'ont dit. Comme d'autres l'ont dit, oui. Il vaut mieux vivre heureux seul que de vivre avec quelqu'un et d'être mal accompagné. Voilà, d'accord. Eh bien, merci à tous, hein, merci sincèrement. Ça nous permet de regarder le sondage de ce soir. Je vous l'ai dit que Laurel n'est pas avec nous, mais il a travaillé quand même ce soir. Alors, on a 80% de non et 20% de oui. Voilà, vous voyez bien, hein, c'est à l'image de ce qui se passe depuis tout à l'heure, hein, les avis des uns et des autres. Et maintenant, on va aller voir donc des personnes ressources, celles de ce soir. Il y a Maurice Saumon, le psychosociologue, et Maître Patricia Couan, la conseillère matrimoniale. Il y a deux ennemis fondamentaux dans la vie d'une femme. C'est l'âge et la situation matrimoniale. C'est ce qu'elle redoute le plus. La situation matrimoniale, parce que si elle n'est pas mariée, elle pense que sur le plan de la société, elle ne représente absolument rien. Alors, après un certain âge, au regard de l'impact que
L'âge a sur la physiologie et sur la physionomie et sur l'aspect physique de la femme. Elle redoute les conséquences et par conséquent, elle décrépit aussi. Donc, alors, lorsque les deux faits vont se mettre ensemble, c'est-à-dire le phénomène de l'âge et la situation matrimoniale qui la confine au statut de célibataire, vous comprenez qu'elle est prête à tout. Quand je dis elle est prête à tout, c'est-à-dire que quel que soit l'homme qui se présenterait devant lui, en raison de ce qu'elle sait qu'après un certain âge, elle n'a plus aucune chance de modifier son statut matrimonial, vous comprenez qu'elle sera toujours prête à aller. C'est pourquoi certains mariages, à la limite, sont arrangés, tout simplement parce que la femme veut sortir de cette situation très peu confortable qui est constamment la sienne. Se marier parce qu'on prend de l'âge, c'est déjà une mauvaise base, un mauvais motif. On ne se marie pas pour d'autres raisons que l'amour. Donc, ce n'est même pas à dire. Toute personne qui veut se marier, qui s'assure d'abord que la raison pour laquelle il ou elle se marie est pour l'amour, pour rester avec une personne qu'elle a choisi ou il a choisi librement pour la vie. Donc d'autres raisons ne tiennent pas. Donc ma réponse est non, on ne doit pas faire ça. L'amour, comme on parle souvent, la peur de devenir vieille fille ou bien d'un un old bachelor, comme on dit en anglais. Et ces jours-ci, on constate beaucoup que des personnes se marient pour ces motifs. Et je pense que l'une des raisons où on trouve beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de mésententes entre les couples, c'est l'une des causes de tous ces problèmes. Il faut que les gens se marient à cause de l'amour, qu'ils trouvent une personne qui ne savent pas, qui ne pensent pas que la personne est parfaite, qui ne pensent pas que la personne est sans défaut, mais qu'ils disent malgré tout, je l'accepte et tout ce qui vient avec cette personne, je l'ai choisi et je veux y rester avec lui, comme on dit, jusqu'à la gare. Alors, elle est en train de dire une chose. Si on décide finalement d'aller avec quelqu'un qu'on n'aime pas, il faut assumer jusqu'au bout. Hein. Bah oui, c'est clair. Il ne faut pas faire marche arrière. C'est clair. Donc, il faut savoir quelles sont les conséquences. Les filles ont de ce discours ici dehors. Vraiment, au début, je ne l'aimais pas. J'ai appris à l'aimer. C'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui se mettent ensemble, mais c'est des cas exceptionnels. Oui, mais dans tout cas, est-ce que dans ce cas, il y a quand même un petit sentiment, c'est peut-être pas de l'amour, il y a quand même un peu d'admiration, il y a quand même un peu de... Oui, si, il y a quand même un petit début, on peut développer dans le mariage. Ce qui est sûr, ça se développe toujours dans le mariage. Certaines, oui. Mais des fois, il y a des gens qui sont vraiment amoureux avant de se marier. Hein. Oui, bien sûr. Et il y a d'autres, ils ont juste quelque chose d'attirance. Oui, qui décident en fait de se mettre ensemble et puis de construire. Quelque chose. De grandir. Construire l'amour. Mais franchement, courage. Mais l'amour se construit quand même tous les jours. Hein. Ça ne peut pas être au début comme ça, vous pouvez Non, on est d'accord, mais il faut quand même une petite flamme. Il faut quand même une petite flamme. Il y a une flamme quand même qui devrait exister. S'il y a déjà une étincelle, maintenant on va travailler ça. Vous, vous connaissez, hein. On est accompagné des étudiants de l'école. Et notre invité est enfin là. Et c'est Joe qui va finalement. C'est un chat. On va rejoindre notre invité. Ouais, on va rejoindre notre invité, oui, mais après le jingle. Après le jingle. Après le jingle. Magnifique public, on reçoit notre invité avec le concours de notre auteur Colin Soinchamp qui est financé par notre producteur et Fautso, Joseph Fautso, son autre producteur qui est également un producteur, monsieur Emmanuel Chatuet qui a son tour, un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. Là, il y a un chiffre suprême, un marraine de l'Anna Show 20, madame Colette Chatuet. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que ce réalisateur a fait? Allez, on reçoit Paul-Henri Djanéa. Ouais, on a un public.
convient que ta sœur va quelque chose. Alors, Paul-Henri Janea, tu dors, ta vie dort, c'était d'avoir une formule humaine, une maxime, un apothèque pour dire qu'il vaut mieux se lever tôt, travailler dur si on veut réaliser son rêve. Hein. Poète et lyriciste, tu en as fait une chanson, rappeur qui a appris des plus grands, Crotal, Nigressim, Ayam. Tu en as fait un gros tube, mais également conceptualiste. Hein, tu en as fait tout un concept. Il y avait la musique, il y avait les t-shirts et le Petit Prince hein, qui était réservé est devenu une grande, une pop star qui a fait le tour du Cameroun. Entre-temps, entre ce succès-là et aujourd'hui, tu t'es beaucoup réservé. Tu as grandi dans la vie, tu as pris une majesté. On se demandait où est passé ton totem. Hein. Bon, il aura peut-être rejoint pendant l'émission. Et puis ton retour en grâce dans la musique s'est fait vraiment, vraiment progressivement. Il y a eu Faro Faro, il y a eu Diva avec Stéphane Dayas et il y a désormais Sokoto. On est en train de terminer l'année 2019 et c'est finalement l'un des plus gros tubes de cette année qui va certainement même rester encore pour le début de l'année 2020. Alors, c'est un plaisir de t'avoir ici. Tu nous accompagnes pour cette émission. Tu es notre invité. Bienvenue, Paul-Henri Dianeya. Paul-Henri Dianeya est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Doris. Oh. Paul-Henri Dianeya. Ah, tu pourrais oui. être une danseuse ou pas? Oui. Oui. Il y a de la place. Voilà. J'ai dit à toi une question c'est comme d'habitude. C'est pour Faut répondre, hein, mais on n'a pas bien entendu. On a pas On est là. Ouais. Alors Paul-Henri, toute première question et... C'est sûr qu'il y a des personnes qui mettent le visage sur la musique parce que ce que tu sais pas, c'est que la musique est des fois plus connue que toi hein, mmh. en ce moment. Mmh. Hein, donc, regardez-le très bien. Donc, tu vas regarder bien la caméra. Là. C'est lui. Voilà. C'est lui. Sokoto, c'est lui. On connaît le visage, mais on ne dit pas que c'est lui qui fait ça. Il faut qu'on le dise, d'accord? Non, il faudrait que à la maison et dans les chemins, qu'ils s'habituent à ce visage parce que l'année prochaine, c'est la mienne. Ah. Ils vont danser durant les 366 jours, parce que je vais ajouter un de plus. Ouh. Ok. Et super. C'est dorénavant, parce que la transition a été faite finalement. Oui. C'est dorénavant Dianeya tout court. Ah, il n'y a plus Paul-Henri. Il n'y aura plus Paul-Henri. Oui, je lui dis, le jour où je trouverai un blanc qui va s'appeler Kuala, je pourrais m'appeler Paul-Henri. Mais pour le moment, je m'appelle simplement Dianeya. Dianeya. Parce que c'est moi, ça me ressemble et ça vient de chez moi. Oui, c'est lui, Dianeya, s'il vous plaît. Et c'est lui, Sokoto. Ouais, c'est dit. Alors, comment la musique s'installe dans ta vie? La musique s'installe dans ma vie depuis la classe de 6e. C'est vrai que je suis né d'une famille de choristes. Ma mère, mes grands-parents étaient les choristes. Mais je tombe amoureux de la musique en classe de 6e sous l'influence. J'ai regardé un aîné. C'est qui ça? Mathématiques de petit pays. Mathématiques de petit pays. Oh, l'homme des trois continents. J'étais au lycée Mongo à l'époque, il était président de la coopérative. La petite histoire, c'est que je l'admire énormément parce qu'il a été l'enfant de petit pays depuis les bancs jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et il nous poussait à escalader, il m'a à faire l'école. À cause de la musique. Oui, parce qu'il était, c'était un très bon danseur. Ah, donc, il dansait beaucoup et dès qu'il se mettait au milieu du stade, il se mettait à danser avec ou sans musique, tout le monde sortait. Wow. C'était ma première scène. J'ai partagé la scène avec lui juste comme ça au passage. Et je suis tombé amoureux. Maintenant, à l'internat, j'étais tout seul, donc j'ai pu faire ce que je voulais. Maintenant, j'ai attendu être l'homme que je suis. Le papa et maman ne pouvaient pas te mettre de la pression pour tu dois être avocat, C'était la question suivante, justement. Tu veux l'apprendre? Oui, je l'apprends. Justement, la réaction, quelle a été la réaction des parents quand tu décides de t'investir davantage dans une carrière musicale? Il faudrait déjà préciser qu'il y a musique et il y a hip-hop. Oui. Musique encore, on va dire que ouais, il va faire comme les Cambis Brillants, mais quand tu dis hip-hop, ma mère dit tout le temps, vos histoires, vous mettez les pantalons sous les fesses là. Celui qui met encore les pantalons sous les fesses, moi aussi je soulève mon cabas. Parce qu'on se dit toujours que c'est une histoire de délinquants et tout, mais j'ai eu la chance de prôner certaines valeurs et mes parents ont compris que j'ai fait une musique, bien qu'elle soit urbaine, assez noble et que j'ai des valeurs. Ils ont compris ça à quel moment? Après, tu dors ta vidéo. Ah, okay. Quand même. Pendant le succès? Non, parce que le succès, tu dors ta vidéo, est venu même bien après c'est la musique. C'est venu après, oui. Mais tu dors ta vidéo,
C'est que les, c'était un slogan que j'ai réussi à... Je pense que c'est parce qu'ils ont compris les paroles aussi. Oui, les paroles et l'abnégation que j'ai, et l'énergie que j'ai mise derrière, parce que ça s'adressait déjà à moi avant les autres. Avant les autres, donc, ouais. Je suis parti de la fac, en fait de l'école, pour monter une activité et ça s'appliquait déjà à moi. Maman a compris que je suis en train de faire un passage. Eh oui. Calagan, tu es avec nous ou pas? Je suis avec vous. Je suis avec vous. Tu peux que le faire ici, Montréal. Je suis pas là, je suis trop depuis. Je suis en train de lui parler. Parce que je lui ai fait un texto dans le forum. Mais il n'y a pas de téléphone. Il ne regarde pas. Il ne regarde pas. Okay, vas-y. Ça m'énerve. D'accord. Je voulais savoir Sokoto. Sokoto. Il ne s'appelle pas Sokoto. Janea. C'est Janea. C'est sa musique qui s'appelle Sokoto. Mais on va l'appeler comme ça. Quand nous on marche souvent, parfois que j'ai dit à ma chérie. Quand on t'appelle le riz, c'est la sauce. Le riz, c'est la sauce. Comment? Moi, je réponds seulement. Un jour, j'ai passé, quelqu'un m'a dit, hey, je te remarque, c'est toi qui joues dans Mitumba. J'ai dit que non, je joue dans Bobolo. C'est passé. Pose ta question. Bon, je voulais savoir naturellement, devenir musicien, ou bien ça a toujours été ton rêve. Bien, il y avait autre chose. C'est vrai que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Est-ce que tu avais d'autres métiers que tu... Oui. Comme? Le magistrat. Wow! Excuse-nous ça. Ce sont des rêves qui arrivent quand on est tout mais petit. Est-ce que c'est différent de chef de village? Ça devient comme des rêves utopiques. Qu'est-ce qu'elle a posé comme question, Fanny? Non, mais parce qu'il est chef aussi. Ah oui, c'est important de le dire. Est-ce que tu es de la chefferie? Tu es chef ou tu es de la chefferie? Je suis un prince de la chefferie. Ah, il est prince de la chefferie, oui. Ce que je veux dire, effectivement, dans ce sens, c'est que la majesté régit le village par ses lois. Donc, c'est une sorte de juge lors des litiges. Comme on dit, hein, ouais, mais le côté chef, chefferie, c'est des fois dans le sang, quoi. Ouais. On hérite un peu de ça, de ces comportements-là aussi. On est dedans. Donc, moi, je voulais être magistrat. Oui. Je voulais être magistrat, mais... Et ton rêve a disparu à quel moment? J'avais peur parce de... Parce que tout le monde a les rêves, là, quand tu tournes et tout. Ah, c'est dès que tu grandis, comment on t'appelle? Est-ce que le rêve a disparu? Non, il n'a pas, pas disparu parce que je l'ai converti. Voilà. Ta conversion n'est plus ça. Non, le magistrat et les avocats, c'est le plaidoyer. Oui. Et je les respecte parce qu'ils ont du cran de rester dans le poulailler quand les autres disparaissent. Ça, j'ai eu peur de ça. Ah. Et... On parle des études de droit, il faut dire à tout le monde. Fac de droit, on appelle cet endroit le poulailler et là où on a... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les téléphones? Donc, en fait, j'ai changé pour faire un plaidoyer autre. C'est-à-dire que pouvoir convaincre le prospect, les clients. Donc, j'ai voulu faire marketing management, ce que j'ai réussi à faire. Oui. Et ça m'a permis de vendre ma marque, mon concept. Justement, on va en parler là, c'est la question qui suit. Hein. Tu es aussi un streetwear boy. Oui. Ouais, tu crées des. Tu as ta marque, hein, carrément. C'est un des produits que tu as sur toi. Oui, par moi, pour moi. Oui, l'échantillon. Par toi, pour toi. Ça s'appelle comment? La chefferie. La chefferie. Non, en fait, ça s'appelle Official Private, qui a des produits dérivés. Dérivés, parmi lesquels la chefferie. Non. Oui, la chefferie, c'est l'entreprise et c'est ne fait que des vêtements pour les chefs. Pour les chefs. Ah oui, bon, hein, nous, on peut pas. Non, non, vous allez porter ce que tu dors ta vie d'en faire, comme vos jolis t-shirts. Oui, 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 oui. Donc, tu ne nous donnes pas la chefferie. Au grand chacun boss. Chef. Chacun chef. Il faut être chef pour porter. Chacun est chef chez lui. Hein. Voilà, moi, je suis chef aussi. Hein. Moi, c'est ça que je disais. À Baninkan, je suis en train de négocier à femme blanche. Fanny? Oui. Alors, Sokoto est actuellement le tube. C'est le tube. The tube. Donc, bien sûr, c'est le tour de tous les dance floors. Raconte-nous un peu comment est née, en fait, cette chanson. Sokoto, c'est une musique qui date de 4 ans. 4 ans, d'accord. Oui, je l'ai composée, je l'ai écrite sous l'impulsion d'un jeune qui s'appelle Dex Willy. Dex Willy, d'accord. Oui, The War Machine. The War Machine. Il m'a appelé un jour, je crois qu'il était même encore aux États-Unis, il m'a appelé pour me demander ce que ça voulait dire Sokoto. C'est tout. Donc je lui ai dit et il m'a dit... Il m'a demandé si je pouvais écrire une chanson pour lui. Mm-hmm. Il a une musique qui est faite par Slayer, butin gabonais. Ce serait bien que je l'aide à écrire. Mm. J'ai dit, ok, d'accord. Il a envoyé le gimmick, il a envoyé la musique. Et je me suis mis à écrire. J'ai écrit et il a eu l'humilité de me dire que
c'est pas une musique qui est faite pour lui. Elle est suffisamment, elle est assez forte. Il préfère que j'ai fini ce que j'ai commencé. Ah d'accord. Wow. Donc c'était moi. Donc à la base tu écrivais pour quelqu'un. Attends, tu écrivais en fait pour Dex Willy à la base. Oui, 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 oui. Le producteur. Ouais. Et donc oui, on donc, précise bien sûr que c'est le producteur d'Avero Jazz et de Mr. Shine. Donc voilà. J'ai écrit et il m'a dit, ce serait bien que tu chantes. Donc il est arrivé, c'est lui qui fait ce qu'on appelle en, dans le hip-hop les FX. D'accord. Donc, il y a des voix derrière Cameroun et Bosso, ce sont les voix de Dex. Donc okay. On est arrivé en studio, il a vu, il était là, il m'a même accompagné dans la direction artistique. Maintenant, juste que j'attendais, je n'avais pas le bon moment, le timing. Oui, pour sortir la musique. Oui, donc j'attendais. Et tu as sorti au bon moment. Oui, il y a, je salue Nyangwano du Sud. Oui. Parce que pour moi, c'est lui qui a dû préparer les. Il a préparé le tapis, oui. Le, tout c'était ça. Mon, comme accueillir. Je l'ai dit souvent, c'était mon Jean-Baptiste. Donc, ouais. Il a plané mon sentier pour que, ouais, pour que tu puisses vous faire danser. Oh, super. Il y a une grande c'est histoire derrière ce coteau, finalement. Hein, vous voyez, hein. Nous, on danse, on ne sait pas tout ce qui on se passe pas derrière avant. Hein. Que, là, on ne parle que du bon côté parce qu'il y a eu des déboires. C'est un truc qui a été tourné en 6 mois. En 6 mois. Wow. Oui, mais bon, on a finalement eu le clip et on enjoy, entre guillemets, la chanson. Oui, on se dit que c'était ouais, c'est difficile des fois, le monde, c'est pas évident, oui. Ce monde de la musique, quand on a une musique pour faire le clip. Il y avait des retards, des livraisons. Moins que moi, quand même. Ah, il y avait d'accord. Quoi non, c'est, moi, je n'étais même pas en train de... En fait, il y a eu des retards de livraison. Des livraisons, c'est ça. Et qui repoussaient à chaque fois la et sortie. Et c'est tout le temps comme ça. Oh, s'il vous plaît, hein, les... C'est pénible, en fait, effectivement, non, parce que ça foire c'est des plans promo. C'est le climat, ce n'était même pas le réalisateur. Ah, c'était le climat. C'était une question de climat. On a tourné, la première scène est tournée à New Bell chez Samuel Eto'o. Oui. Et on a dû nous faire payer 2 fois les droits de terre. Le droit de terre, ouais. De site. Oui, donc je crois que je vais le lui dire samedi. Donc on a dû payer les droits de terre et ça a fait des bagarres. On a dû, ah bon oui, on a dû se déplacer. Maintenant, il fallait trouver un site qui ressemble un peu, oui, puisqu'on a déjà des images. On a trouvé, après il fallait... Mais tu as vu qu'à la fin, finalement... Mais finalement... C'est sur ça valait la peine. C'est sur ça valait la peine, finalement. Alors, qu'est-ce que tu espères aujourd'hui, Janea? C'est vrai que j'espère. En plus, nous sommes en fin d'année, donc tu peux avoir c'est tellement ça. De rêves et de souhaits. C'est ton jamais, le père de J'espère déjà que mes collègues oui. sont au travail, mm-hmm. qui travaillent énormément. Le chef de ça. Ouais. Non, j'admire vraiment ce qu'ils font. The man is coming. J'espère. Oui. Voilà. Parce que 2020, ça va barder, quoi. Ouais, c'est ce qu'il veut dire. La réaction est terminée. Janea is coming. Donc, j'ai, c'est grave. J'ai une... Hein, Didier Eto'o. C'est comme si tu as compris le truc, quoi. Que maintenant, tu as compris le truc non, avec Sokoto ou quoi? À toute chose, malheur est bon. Chaque chose vient qui sait attendre. Donc, ouais. on a attendu et oui. le moment est venu. Comme super. Quelqu'un voilà. est allé dedans. Oh, donc, super. Ils ont chanté, ils ont dansé les années antérieures. Et il est temps que je récupère ce qui me revient de droit. Oh non, donc, ce qu'on va se dire, en fait, c'est que l'année prochaine, oui. s'il plaît à Dieu, bien sûr, on va le recevoir sur ce plateau. On pourra faire un bilan. Ah oui, c'est bien. Mm-hmm. Et ce n'oublie pas qu'on va, on enregistre tout ce qui se on passe. On enregistre tout. Donc, ce jour-là, donc, on va prendre un homme, avant. Un homme, c'est sa parole. Oui, oui bien sûr. Avant, après. Tu es d'accord, non? Voilà. Janea avant, Janea après. Ouais. Janea 2019, entre maintenant et Janea 2020, on souhaite beaucoup de concrétisation. Mais bien des choses en tout cas, Janea. Enfin, on va dire ce que je peux dire, c'est qu'on va juste vous servir parce que c'est déjà fait. Ah, voilà, oui, c'est bon, oui, on oui. attend. Nous, donc, nous on attend. Hein, ça sera on quand... dressera la table. Pour... C'est 2020 tout simplement, 12 mois encore à attendre hein, ou c'est. Ou non, c'est 2 mois. Non, c'est imminent. On va fêter la fête de la jeunesse normalement. Avec. Ok. Avec. Et avec. Ah, d'accord. Donc c'est dans quelques. Ouh là là. D'accord. En tout cas, on attend, on est très juste précis. J'ai voulu éviter les embouteillages. Oh là là. Alors, Laria, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez comme ça, la réalisation? C'est pas possible. Bah, il est... On est en compagnie de Janea. Oui, tu as une question. Il y a un son qui est en train de monter absolument, de marcher. Le oui. featuring avec Redeem, Young Megan et Janea. On ne te voit pas souvent en featuring. C'est quoi l'histoire de cette chanson? L'histoire de cette chanson, c'est, je vais dire, la Providence. Parce que j'ai, pour la petite histoire, j'ai une nouvelle équipe. Enfin, je n'ai pas une nouvelle équipe, j'ai l'équipe qu'il faut. Et pendant qu'on faisait qu'elle faisait le ménage, je profite parce qu'elle est à la télé, elle s'appelle Estelle Aranda, c'est mon manager. Pendant qu'elle faisait le ménage, il fallait retrouver l'équipe qu'il faut sur le plan des productions, sur le plan de la réalisation.
Et on a contacté Philbin pour un travail, en fait, pour mon travail. Et il nous a dit, ah, j'étais même en train d'essayer de le joindre, je ne savais pas par qui passer. J'ai une musique et c'est le dar qu'il faut. Donc j'ai pensé que c'était juste le... C'était une histoire comme ça. C'est donc la chanson, on est arrivé. Oui, Marquette, non. On peut écouter un peu ? Oui. On peut écouter ? On peut écouter ? Réalo ? Non, c'est ici. On n'entend pas, nous. Tiens, le taureau par les cornes et la femme par les hanches. Moi, j'ai la vie, j'ai les nains. T'as besoin d'aller. Moi, j'ai la vie, j'ai les nains. Titre, hein, c'est ça, oui, c'est une collaboration. Yann Megan et moi. Ouais. Alors, tout à l'heure, tu n'étais pas là, mais on a fait un petit débat. On aimerait savoir si toi, tu conseillerais ta sœur, ta grande sœur, ta tante, voilà, pourquoi pas ta mère, si elle n'est pas mariée, d'épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas sous le prétexte qu'elle prend déjà de l'âge. Non. 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 Et pourquoi non? Elle sera payée pas nuit. Ah ouais. Elle ne sera pas épanouie, elle sera même déséquilibrée. Oh là là, et les effets sont graves. Si c'est ma personne, c'est-à-dire que en fait, je vais être le mari de substitution. Ouais. Parce qu'elle n'aura pas, je pense, à mon humble avis, que quand on se marie, c'est sur le plan de complémentarité, c'est ça. Sur le plan émotionnel, il y a une question d'amour, maintenant et il y a le plan pécunier, mais je pense vraiment que... Il y a déjà l'émotion, l'attirance. Quand on voit, ce n'est pas écrit sur le front de X, Y ou Z qu'il a l'argent ou qu'il va te combler. C'est parce qu'il y a déjà l'attirance. Voilà. Exactement. C'est ça, c'est important ce que tu viens de dire. Oh, merci. Quand deux autres doivent se mettre ensemble, il faut d'abord qualifier. Alors, et voir s'il y a ce chinois. Tu vas regarder Panique. Positif. Tu peux la regarder. S'il y a cette attraction. Oui. Bon, c'est vrai que tu ne vas pas directement voir ses yeux, mais tu peux voir ses yeux à travers. À travers les verres. Les verres. Mais bon, Pani, on se connaît très bien aussi. Oui, mais il faut bien la regarder. Vous voyez souvent ? Oui. Ah bon ? Comment ça ? Comment ? Comment ? Oh, Pani, moi, c'est une très longue histoire. Ah ouais ? Une histoire d'amour, une très très longue histoire. Oh là là ! Bon, après les yeux. Après les yeux de Pani. Donc, dès que après les yeux de yeux Fanny, nous emmènes, tu nous racontes l'histoire d'amour. Hey. D'accord ? On et tu va. Racontes vraiment. Hein. Ouais, voilà. Voilà. Nuit et jour, à tout fait. Alors, Fanny, tes yeux ? Oui, mes yeux sont bel et bien là. Oh, et quelle belle image bloquée. Et... Je ne comprends pas très bien. Pourtant, j'ai une bouche qui bouge. J'ai les même la tête qui choses. Bouge. La machine. Voilà. Heureusement qu'elle est restée sur une image quand même sympathique. Sympathique, parce que... Hein, parce que... Voilà. Donc, j'ai envie de te demander, Joyce, qui es-tu ? Qui es-tu ? Tu me répondras forcément, je suis moi, je suis Joyce. Je suis moi, oui, je suis Joyce. Voilà, je pense que tu as la gante, Dianéa, et bien sûr, Monsieur Joe Matrix me répondront pareil. Tu es d'accord. Bon, là, c'est sa double personnalité qu'il faut pouvoir gérer. Alors, qui suis-je ? Ben, je suis moi, et je suis moi by ADN Personalized, qui, ce soir, en fait, nous offre, en fait, ces magnifiques t-shirts. Ils vous permettent, en fait, d'assumer qui vous êtes, de vous valoriser, et bien sûr, de faire honneur à votre passage sur Terre. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à regarder déjà ces chefs-d'œuvre. Ouais. Voilà, donc on a effectivement tout ce qu'il a pu faire déjà jusqu'ici, enfin c'est une partie, on précise en fait que ce sont des, on va dire des caricatures, hein, mais sympathiques, oui, des personnes qui sont faites en fait sur la base de photos, donc on a, c'est vraiment, c'est impressionnant parce que c'est très, c'est à la fois drôle, oui. Celle-ci, c'est qui est... Voilà, donc on a tout ça qui reste vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il s'appelle Alex Noutan. Ouh, bien sûr. La Liliane. On peut le retrouver sur Facebook, ADN Personalize, ou Alex, ADN Alex Noutan. On a plusieurs, en fait, plusieurs... Ça, c'est un bac Crotal. Si, c'est Crotal. On a Elvis et Mayo. Donc, ce sont des images assez ça, sympathiques. On a Didier Arafat, on a plusieurs... Celui-ci, c'est Bruce Lee. Donc là, on a Caresse. Caresse.
Et très bientôt, en fait, on pourra voir en fait des images des personnes qui reçoivent en fait leurs t-shirts. C'est super d'agréables surprises qui pourraient bien sûr faire de bons cadeaux de fin d'année pour vos proches, pour vos amis, un peu comme ce qu'on a reçu ici sur le plateau. Oui. C'est l'image de qui là? Je ne sais pas pourquoi je reviens, mais je pense qu'apprendre à Calagan, voilà. Voilà la beauté, la beauté. Voilà la beauté. On a Dio qu'on a sauté, je ne sais pas pourquoi Dio, voilà, qui, comme d'habitude, gonfle les joues. Donc voilà. C'est toujours ça, tant pis pour toi, hein, tu as vu. Hein. Oh, mais avec un donc vous avez la possibilité en fait d'en faire en famille, seul, voilà. Et on fait un coucou à Didier Suite, la merveille qui nous regarde depuis Lille. Et la marque, c'est ADN personnalisé. Je regarde mon image et je dis, c'est manque papa Lofa Nongambi. Merci aux yeux de Pani. Ils vous disent merci aussi. Et on va retrouver l'humeur de Joe, Janea, avant que tu racontes l'histoire. Un cadeau, un cadeau. D'accord, alors c'est Janea qui va choisir Janea, un numéro. Parmi ces numéros, tu vas choisir un seul numéro. Voilà, et que tu dois communiquer. Et cette la personne qui détient ce numéro vient nous retrouver ici. Il vient nous retrouver ici. 60. 60. Est-ce qu'il y a 60? Il y a 60 ici. 70. Ça dépend de quel, t'inquiète. 90. 90, c'est qui? Ouais, on peut le dire. Alors, là, il va repartir avec quoi? Bonsoir. Oui, il n'a pas de micro. Quand vous venez, venez toujours avec le micro, d'accord. Donnez à Pani, elle va lui remettre. Alors, il va gagner quoi? Alors, un CD de Michael Mambo, vous le connaissez, il a été le gagnant Music Star. Voilà. Voilà, un stylo, c'est comment? Et un t-shirt, c'est comment? Voilà. Comment est-ce qu'on t'appelle? Je me nomme Tsagi Martin Junior. Merci Martin Junior, sincèrement, bien des choses à toi. Attention, il est étudiant à l'ESSEC, c'est bien ça? Oui, madame. En deuxième année? Deuxième année. Voilà, voilà. Bien des choses. Ça, c'est merci, bien. Quand on peut applaudir pour lui, une deuxième personne. Un deuxième numéro. 99. C'est qui 99? Il a pas pris le micro aussi. Alors, je tiens à préciser, voilà, j'ai oublié de donner ça tout à l'heure, tu vas donner également, c'est une place à l'Éden, au cinéma Éden. Déjà, c'est pour toi et pour lui, qui était là tout à l'heure. Ensuite, un stylo, c'est comment? Un CD de Vage, gagnante Music Star. Voilà. Un autre CD de Michael Mambo, Music Star. Et puis, il y a le Diamanet qui t'a offert quoi, le Diamanet? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, des écouteurs, un chargeur double entrée, non, c'est un écouteur et un chargeur double entrée plus le câble qui va avec. Tu t'appelles comment? Mon nom est Johnson Williams. Merci, également étudiant à l'ESSEC, c'est ça? Tu fais quelle classe, Johnson? Bien des choses. S2. S2? Oui. Études supérieures de commerce, à l'ESSEC de Douala. Voilà. Merci d'être passé. Un dernier. Moi, voilà, oui. Un dernier. 94. C'est qui 94? Zizou. Encore Zizou. Zizou, tu donnes pas à quelqu'un, Zizou? Elle est où? Tu vas lui donner? Bon, une invitation pour Ulrich Takam tout à l'heure. Là, il ne peut pas donner ça à quelqu'un. Oui, peut-être deux seraient mieux, vous allez en couple. Voilà. Voilà. Et puis un lot U-Fresh et trois stylos. Voilà. Merci et bien des choses à vous. Vous m'attendez à l'entrée. Vous ne pouvez pas encore. Vous pouvez partir. Merci Zizou qui sera avec nous mardi. Zizou mardi. L'humeur de Joe, c'est maintenant, Janea. L'humeur de Joe. Joe a toujours une humeur, on ne sait pas si elle est bonne. Ouais. Ou mauvaise. Ok, on y va? On y va.
Voilà, alors. Voilà. Oui, donc, oui. Il faut que je me remette au travail. Hein. Ça fait longtemps. Allez. Bon. Alors, première chose, je vous demande pardon parce que mon humeur dandine beaucoup ces derniers temps. J'ai peut-être commencé à beaucoup dormir. C'est pour ça que ma vie dort. Hein? Il ne faut pas dormir. Bon, j'ai peut-être perdu mon humour aussi, mais ça ne se comprendrait pas hein, parce que vous êtes désormais plus de 50 000 à nous suivre sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission. Donc, on est plus regardé, plus aimé, plus apprécié. Donc, normalement, je devrais avoir toujours mon humeur pour avoir des choses à dire sur ce qui se passe. Par exemple, l'élection qui arrive, les élections municipales, législatives ou l'élection du chef du quartier. Je devrais avoir un mot à toucher sur le buzz de Niangolo du Sud ou l'ascension de Grand Barak. Je devrais trouver le moyen de rigoler avec la phrase que tout le monde reprend à cœur. J'observe la scène avec mon ami Massamo. Mais ce soir, je vais m'en tenir au thème et j'aimerais pouvoir le faire hein, dorénavant tous les soirs. Alors, le thème de ce soir, c'est « Mesdames, seriez-vous prêtes à épouser un homme sous prétexte que vous prenez de l'âge ?» Alors bon, c'est d'abord quoi prendre de l'âge ? Avoir 20, 30, 40 ou 50 ans, je ne sais pas. Hein, mais une chose qui est certaine, c'est que des fois, tu peux avoir juste 25 ans et te sentir suffisamment inutile et essoré par la vie. Hein, pour avoir l'air d'en avoir 85. Et puis, ce que je sais de l'amour, c'est que l'amour, des fois, le vrai, est tellement sincère qu'il vous sent vous sentir jeune, même quand vous avez deux décennies. Bon, maintenant, il y a toujours des rats d'égout, des magouillards, des cons qui vous diront que quand une femme n'est pas mariée à un certain âge, c'est que c'est une vieille lesbienne folle et mégère qui a tout raté de sa vie. C'est possible. Ouais. C'est possible que quand vous atteignez un certain âge et que vous n'avez pas un show ou un question qui demande à vous prendre pour épouse, c'est quand même qu'il y a un problème. Bon, ouais, bon. Mais maintenant, si vous êtes quelqu'un de suffisamment sensible pour penser, pour vous arrêter ce que les gens disent, au point de mettre entre parenthèses votre bonheur, bon, c'est que vous êtes con et alors mariez-vous. Mariez-vous avec un rat, un chat, une pieuvre, mariez-vous avec qui vous voulez. Mais sachez-le, le bonheur et l'amour, on peut le trouver vraiment partout. Il faut juste savoir comment regarder. L'amour, le bonheur, vous pouvez le trouver dans la tendresse d'un frère, d'un ami, d'un cousin ou même d'un collègue. Ça suffit justement des fois pleinement pour être heureux. Donc, penser qu'on peut l'être absolument par le mariage, je sais pas. Mais ça, c'est un bon essai déjà, un bon retour, une bonne retrouvaille entre vous et moi pour mon humeur que j'espère voir. Que je pourrais pouvoir faire, hein. Plus. Hein. Oh, merci Joe. Alors, Janéa, tu vas pas partir comme ça, on peut pas te laisser comme ça, hein, d'accord. On va faire un blind test. Tu sais ce que c'est? Ouais. Alors, tu fermes les yeux et tu dis qui est l'auteur et la chanson. Voilà. Alors, on a déjà. C'est ton ami hein, qui a fait. S'il veut te bloquer, c'est ton problème. Tu dois nous donner l'auteur et le titre à chaque fois. Est-ce que tu es prêt? Bon, après la transition. Après la transition. Je ne sais pas si tu seras calé là, parce que ce n'est pas assez facile, ça, quand même. Hein. Parce que le blind test s'appelle « Musique camerounaise les plus populaires de l'époque ». Sûr. Ça devrait aller, hein. Bon. Ça doit aller. On y va. Tu es prêt? Oui. La première. À la fin, oh mon chanteur! Bam, bam, bam. S'il n'y a pas le refrain, il va pas s'en sortir. Mon bac, j'ai filé de la licence au doctorat. Oui. Oh, mais c'est pas possible! Comme un avion supersonique. Ça n'est plus au ciel. Oh là là. Oh, ça n'est plus au ciel. Oh, ça n'est plus au ciel. Tu ne tiens pas bon. Tu es fichu. Voilà, c'était le premier. Donc, tu n'avais pas donné le titre. Tu ne tiens pas bon. Le titre, c'est quoi? Tu es fichu. Je crois que c'est tiens bon. Voilà, super. Il a un point, non, Pani? Oui, ça fait un point. Deuxième proposition. Hey. On attend l'enfant. Monsieur Tirage. C'est ça? Attends. On baisse un peu. Qu'est-ce que tu dis, Janéa? On attend l'enfant, monsieur Sirage. Disons que Sirage est dans ce groupe. Il est dans le groupe. Sirage est dans le groupe. Mais il y a quelque chose. C'est lui qu'on retient oral, parce que c'était lui le lead. Mais le littoral de quelque chose. Non, moi, honnêtement, je c'est Sirage que toi tu connais. Et le titre, c'est
on attend l'enfant. C'est vrai qu'on attend dans la musique, mais le titre, ce n'est pas ça. Et c'était les Maxtones du littoral. Et dans les Maxtones du littoral, on avait, oui, le chanteur Sirage. On va lui donner voilà. Demi-point quand même. Demi-point, oui. C'est quand même Sirage qui chante. Non, mais maintenant, à l'époque, il n'y avait peut-être pas les DJ comme aujourd'hui, il n'y avait pas Internet. Voilà, c'est ouais, ça. Moi, je les ai toujours sur l'histoire et la connaissance du passé basée sur les écrits. Voilà. La suite de l'histoire, c'est le titre. Voilà. Parce qu'on attend, c'était une histoire. La suite de l'histoire. La première histoire, c'était la tontine où on a mis 5 francs, je ne sais pas combien dans l'enveloppe. Mais là, c'est vraiment qu'elle est enceinte et elle revient. Ah, ok. Et voilà. Ensuite. Alors? Bon, on s'excuse pour la qualité, hein, DJ Eto, je sais pas, mais on s'excuse. Je crois que le titre, c'est Takam 2. Non, c'est Je veux dire, les auteurs. Oui, le groupe Takam 2. Maintenant, je ne sais pas si le titre, c'est Wouha. C'est quoi? Le titre, c'est quoi? C'est bon? Demi-point. Un dernier. Ça, c'est facile, non? Alors, il dit alors André Marie et dans le titre. C'est dur. Non, honnêtement, je ne sais pas si le... Le titre, tu ne connais pas. Non, tu es même... C'est Yen, non, tu es même. Non, tu es même. C'est Yen, non, tu es même. Bon, si tu veux même, non, tu es même, ça va, ça passe. Voilà. Donc, c'est le 1, 2, 3, 4. On compte les points. 2 et demi sur 4. 2 et demi sur 4, c'est la moyenne. Te souhaiter bien des choses. On est ravis, hein, en tout cas, que tu aies un titre qui fait le tour de la planète. C'est tant mieux. Hein, et on espère qu'en 2020, il y aura encore des titres et des titres. En tout cas, tu nous annonces des choses merveilleuses qui arrivent. Et j'attends, et j'attends. 15 titres en 2020. Janéa, tu vas donc faire le show avec tout le monde. Vous allez vous lever. Allez, les étudiants de l'ESSEC, venez nous retrouver ici même. Pourquoi pas? Ah oui. Vous allez, c'est lui qui vous donne le temps. Hein, le temps. Laissez le micro. Venez là. Laissez le micro sur la table. Voilà. Mettez-vous là. Venez là. Alignez-vous. Un peu plus de son et alors.